Coucou tout le monde, nouveau vlog, on est jeudi. Je vous ai pas pris aujourd'hui, je vous ai juste filmé ce matin vite fait dans la salle de bain. Et je vous ai rien filmé d'autre. Je vous ai sorti quand je suis sortie de la douche et puis que j'ai mis la crème et que je me suis coiffée, c'est tout. Du coup, bon, j'ai pris ma douche et tout et ensuite j'ai fait la vaisselle. J'ai dépendu mon linge, j'ai plié mes serviettes. Camille, elle est descendue à ce moment-là, donc elle m'a aidé à essuyer la vaisselle. Ouais, moi j'ai lavé la vaisselle et elle l'a essuyée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, après, j'ai fait que des papiers. Des papiers, des papiers, des papiers. Ça me saoule, je vous jure. Je me suis occupée de remplir un dossier. Voilà, il fallait plein de papiers. Et c'est galère parce que il me manquait encore des papiers. J'ai rappelé l'URSSAF, mais il faut toujours envoyer d'autres papiers et tout. Donc c'est jamais fini. Il faut que je le fasse demain. J'ai appelé pour Alexis ses rendez-vous, mais ils vont me rappeler lundi. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai appelé pour mon entretien annuel parce qu'ils m'avaient envoyé un courrier. Donc j'ai repris rendez-vous et je leur ai dit en même temps que le menuisier n'était pas passé, donc j'ai re un autre rendez-vous. J'ai fait que des paperasses. Bref. Du coup, bah après, Chouchou est rentré, j'étais encore en train de faire mes papiers. Il a été lavé, tout ça. Et ensuite on est parti à Leclerc, donc moi, Christophe, Camille et Mel. J'en ai eu pour 82 euros alors que j'ai même pas fait de course, hein. Enfin, je vous ai même pas fait de retour parce que je vais vous montrer quand même, hein, mais de base il n'y a pas de retour de course à faire parce que en fait, c'est Chouchou, bah, vous savez, son anniversaire, bah, vous allez voir ce vlog samedi, ça sera son anniversaire. Et du coup, bah, il va faire un. Il a acheté des trucs pour le boulot, en fait, pour faire avec ses collègues, comme c'est son anniversaire. J'ai une grosse vaisselle encore demain. Donc, il a pris de la marque Eco Plus, il a pris des. Vous savez, les assortiments comme ça, là. Pourquoi il m'a dit que c'était pas les mêmes? Assortiment de soufflé. Pourquoi il m'a dit que c'était pas les mêmes? C'est les mêmes, qu'est-ce qu'on raconte? Soufflé salé, cacahuète, tomate ou bacon. Salé, goût bacon. Bah ouais, c'est les mêmes. Pourquoi il m'a dit que c'était pas les mêmes? Bon, bref, il a pris 4 trucs comme ça. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération ou avec Chouchou seulement. Il a pris de la Grimbergen. Un pack de 6. Ensuite, oh, je fais des bêtises, il doit prendre tout ça demain matin. Il a pris des chips Lay's comme ça. Format familial. Et maxi format parce que il n'y avait rien dans le magasin. Il a pris deux Pepsi. Il a pris un pur jus d'orange sans pulpe. Il a pris. Faut pas que je casse ces bouteilles. Hein. Une bouteille de vodka. C'est la marque Zubrowska Bison Gras. Voilà. Pas le bruit. Attendez, j'ai peur de faire une bêtise. Ensuite, il a pris du whisky. Donc le whisky, il a pris du William Lonson, je sais pas quoi. Et il a pris aussi un jus de pomme. Voilà,
Ça, c'est pour les bouteilles. Je vais remettre ceci. Il remettra bien son paquet demain matin. Parce que... Et du coup, il a pris aussi... mais il a, en fait, il a déjà coupé. Il a déjà préparé. Il a pris du saucisson qu'il a déjà coupé. Il en a pris trop. Hein. Je ne savais pas qu'il y en a trop dedans. Et il a pris aussi... du saucisson halal pour deux de ses collègues parce que il mange que du halal, donc pour deux de ses collègues. Bon, là je crois tout ce qu'il a acheté, bon après il y a de l'alcool hein. Donc ça c'est pour lui. Et nous on a repris 4 paquets de nuggets Eco Plus, bon toujours les mêmes paquets, je sais pas où ils sont hein, toujours les mêmes paquets. Donc j'ai pris 4 paquets de nuggets Eco Plus parce que je sais pas pourquoi j'avais oublié d'en reprendre en course. Et ensuite j'ai pris des endives pour Princesse. Mel s'est pris une boîte de biscuits apéro aussi pour elle. Et j'ai pris ça pour ma Princesse. C'est menu Vital, Vitacraft. Le plein de vitalité, vitamines, minéraux, fibres, sans colorants ni conservateurs et recettes sans sucre ajouté. Voilà. Donc voilà ce qu'on a acheté en course. Donc moi bah juste pour Princesse et les nuggets et Chouchou tout pour demain le boulot pour fêter son anniversaire avec les collègues. Et on en a eu pour 82 €. C'est abusé, franchement c'est cher. Bon allez, au moins on va dire qu'en gros j'en ai pour combien? Je sais même pas. J'en ai peut-être pour 16 €, moi, je pense. Et le reste, c'est pour Chouchou. Hein. Donc, 60, plus de 60 €. Ouais, 65, 66 € pour le boulot. Mais bon, c'est une fois par an. Hein. Donc, voilà. Du coup, on est revenu du magasin. Je sais même pas à quelle heure il était. Ah, puis on a gagné... On avait gratté ticket Leclerc, voilà, on a perdu aujourd'hui, mais la dernière fois on avait gagné un gobelet du Tour de France. Je vais vous le montrer. Du coup, Mel, elle a été le chercher avec Camille. Et Mel, je l'ai déjà lavé et Mel, du coup, elle s'en sert. Un gobelet Tour de France. Ça se prend. Hein. C'est un gobelet, donc c'est pas perdu. Donc voilà. Et ensuite, du coup, quand on est revenu, je suis partie chez ma mère, mais bon, on est parti une demi-heure. Ouais. Ouais, 30-40 minutes, pas plus, parce qu'après, elle allait rechercher ma soeur au boulot, donc on n'est pas resté longtemps. J'ai juste bu un café et c'est tout. Et ensuite, ben, on est rentré, j'ai donné à manger à toutes les filles. Et puis, on a fait le gratin. Pâtes. Je vous ai même pas filmé du coup. On a fait un gratin de pâtes. Et puis hein, je me suis régalée d'ailleurs. On a mangé un gratin de pâtes. Et ensuite, ils ont été. En fait, mon frère, il a été dehors jouer avec Alexis et Mel. Puis du coup, moi et Camille, on a été les rejoindre. Et puis, on jouait pas au ballon avec eux. Mais moi, je parlais avec en même temps avec les voisins. Plus avec ma voisine, parce que mon voisin, lui, jouait avec avec mon frère, avec ses enfants, avec Alex, enfin, bref. Donc moi, je parlais plus avec ma voisine et Camille. Et puis, on commençait à se faire attaquer par les moustiques. Donc après, on est rentré. Et puis, demain, ses enfants, ils ont l'école. Donc du coup on est rentré et puis ensuite on a joué au Monopoly Deal et puis ça fait au moins 2 heures, non on a commencé, il était, ouais allez on va dire qu'on a commencé à 23h, ouais on a joué pendant 2 heures, on a commencé par 23h je crois, on a arrêté à 1h au matin de jouer à Monopoly Deal. Donc moi, mon frère et Camille, on avait fait 3-4 parties. Et après, Mathieu est descendu, du coup, on a joué à 4. Et voilà. Et voilà. J'ai été mettre mon pyjama.
Ah oui, puis on a voulu sortir ça, je ne vous l'ai pas dit du coup. On a voulu sortir les mémères, comme d'habitude. J'ai voulu les sortir juste après manger. Ouais, juste après manger, donc avant d'aller dans le jardin, tout ça. Donc moi, mon frère, Camille et Mel, on a voulu sortir les chipettes. Et au moment où j'ai ouvert la porte bah, pour sortir les chipettes, comme d'habitude, il y a un couple qui est passé avec un très gros chien. Gros chien, genre comme Elzo, mais bon, beaucoup plus jeune. Mais c'était pas la même race que Elzo. Hein. C'était plus du genre berger allemand ou un truc comme ça. Et le petit chien, c'était plus un... Vous savez, les petits chiens costauds, je sais plus comment ça s'appelle, bref. Et du coup, mais Stella s'est énervée. Daisy, du coup, elle a commencé à s'énerver. Le gros chien, du coup, il a aboyé aussi. Alors, ils étaient juste à côté de ma voiture, donc face à face quasiment. J'ai dû attraper Stella et Daisy pour les porter parce que bah ils essayaient d'enlever leur collier et de se débattre. Alors, Elzo, elle a rien calculé. Hein, mais alors, Daisy et Stella, son cœur, il battait, mais à 100 000 à l'heure. Bah, moi aussi, le mien, du coup, après. Hein. Donc, le couple, bah du coup, il tirait un petit peu son chien. Et puis, voilà, moi, j'essayais de les tenir et tout. Et c'était pas facile. Donc, eux, bon, ils ont avancé. Au moment-là, il y a un autre... un homme qui arrivait avec un autre chien. Je dis, mais c'est pas possible, on va jamais y arriver. Donc, Stella, elle n'arrêtait pas d'aboyer, de s'énerver. Et en fait, Stella, bah, comme elle a voulu se débattre et tout, même quand je l'ai portée, elle a mis un coup de patte même à Camille. Donc, Camille, elle était griffée, mais en fait, bah, griffée, ça va encore, mais son bracelet, il a cassé en deux. Du coup, elle était en colère, en fait. Elle était dégoûtée et en colère, en fait, parce qu'elle a dit, ouais, elle m'a cassé mon bracelet. Donc elle est dégoûtée parce qu'elle l'a eu il y a 2 jours. Donc elle est dégoûtée. Donc bah on va aller. Vu qu'elle l'a eu il y a 2 jours, je pense que c'est garanti. Elle l'a eu à Histoire d'Or. Donc demain on va aller voir à Histoire d'Or pour voir s'ils peuvent lui réparer. Parce que bon, elle l'a eu il y a 2 jours en plus. Et moi, bah mais pareil, j'avais mes bracelets. Je sais pas si vous avez déjà fait attention. C'est les bracelets. En fait, j'ai ma filleule qui m'offrait toujours des bracelets à mon anniversaire. Mais je crois que celui de ma filleule, il avait cassé, mais je l'avais gardé dans mon porte-monnaie. Et Camille, elle m'avait offert dans les bougies, là, vous savez, les bougies avec les bijoux, là, je sais plus c'est quoi la marque. Yankee Candle, je crois que c'est ça. Hein. Et c'était les deux bracelets, en fait, que je crois que j'avais eu à Camille. Et je les avais déjà attachés à deux parce qu'ils étaient déjà fragiles. Et là, en fait, elle m'en a cassé un des deux. Ben, du coup, j'ai retiré les deux. D'ailleurs, ils sont... Hein ? Je sais pas, Alexis. Hein? Les quoi? Pourquoi faire? Je sais pas. Et en fait, là, il y a une boîte là en dessous, une princesse, mais je sais pas si c'est la mienne ou la tienne. Ouais, mais il faut le remettre dedans. Vous voyez, celui-là, il est pas cassé. Donc, je l'avais laissé. Mais moi, j'avais accroché les deux pour pas justement perdre. Et en fait, celui-là, bah, il a cassé net. Donc, je suis dégoûtée. Bon, je vais demander à Chouchou quand même demain si on peut le réparer, mais je pense pas. Sinon, bah, ça restera dans mon porte-monnaie. Je vais pas le jeter parce que voilà, c'est... Mais je suis dégoûtée quand même. Je les avais toujours là depuis... Oh, ça fait... Oh, je sais pas. 4-5 ans, facile, qui sont en mon poignet, je suis dégoûtée. Et voilà. Du coup, Stella nous a cassé nos bracelets. Bon, c'est surtout Camille qui était deg, parce que je vous dis, au bout de 2 jours. Donc, on va aller voir Histoire d'Or pour voir s'ils peuvent lui réparer. Normalement, c'est garanti de toute façon. On verra bien. Donc, voilà. Et puis là, bah, on va s'installer, on va dormir. Donc, je vous ai repris de la journée. Bon, après, j'ai bien lu vos commentaires, j'ai pas encore répondu. Oui. J'ai pas encore répondu à tout le monde, mais j'ai vu que vous avez mis dans les commentaires que bah, forcément il y avait moins de vues, mais parce que certainement les gens ils étaient partis en vacances, ou ils préparent leurs vacances, c'est normal après. Puis bon, même si c'est pas ça, c'est pas grave, c'est comme ça. Hein. Après, il y en a beaucoup qui disent que. Juin, juillet, août, c'est pas...
Ah, c'est pas top. Pour moi, ça sera toujours top, mais je veux dire, c'est beaucoup moins que les autres mois de l'année, en fait. C'est parce qu'on a l'impression qu'en fait, tout le monde s'en va, il n'y a plus personne qui aime, il n'y a plus personne qui regarde. Mais bon, voilà. Hein. Genre, je partirai en vacances et je regarderai peut-être moins mes vlogs aussi de tous les jours. C'est normal aussi. Donc, voilà, les amis, je suis avec mes bébés. Baby. La cacheuse de bijoux. Et là-bas, vous avez les deux. Qui font dodo. Voilà. Et les autres filles, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas où ils sont. Bonjour, madame. Faire le dos. Hein. Mademoiselle Zaza, ce matin, elle a fait une grasse mat. Enfin, ce matin. Elle s'est levée, il était quasiment midi. Elle a même pas. Elle a mangé après tout le monde, du coup. Pour Coco. C'est .16 pour Coco. Ah, c'est ça aussi que j'ai fait avant de manger. J'ai nettoyé toute sa cage. Bon, elle m'a mis du foin partout, mais. J'ai nettoyé toute sa cage. Sa cage, elle est toute propre. Écoutez, je sais pas où elles sont les chipettes, c'est bizarre. Ah, si. Il y a une chipette là. Et dodo, ah bah. Yayo, bah forcément, elle est avec Kami. Et par contre, Kimi. Et Mimi. Mimi, elle est avec moi. Kimi, je ne sais pas où elle est. Alors, est-ce qu'elle dormirait pas là-haut? Ou alors, elle est partie avec Alexis, je ne sais pas du tout. Moi, j'ai un truc à faire. Je vous avais donné le planning de repas, je ne me rappelle plus. Non. De manger un truc à faire. Je me rappelle plus si je vous l'avais donné. De manger un truc à faire ou pas. Oh, de toute façon, tous les jours, je vous ai dit ce qu'on mange. Maman, on est combien? Non, demain, tu n'as rien à faire, chérie. Demain, pourquoi c'est? C'est vendredi, demain, tu n'as rien à faire. Il n'y a pas en rose. Bon, ça va au niveau du planning. Bon, tout le monde respecte correctement. Bon, il y a des choses, en fait, des fois, je le fais, en fait, je ne percute pas. Hein, vous savez que, voilà. Si je sais que. Non. Si je sais que j'ai des trucs à faire, du coup, il y a des fois, je le fais, en fait. Je pense pas à la liste. Samedi, tu devras mettre la table et c'est tout. Demain, t'as rien à faire et dimanche, t'as rien à faire. Lundi? Bah, on s'en fout. Pour l'instant, nous, on est là. Lundi, c'est quoi? Aujourd'hui, tu devais arroser les plantes. Ouais. Demain, rien. Ouais, mais c'est pas samedi, mettre et débarrasser la table. Dimanche, rien. Moi, j'ai pas débarrassé. C'est pas grave que t'as pas arrosé les plantes parce qu'il y avait bien plu hier. Donc elles étaient encore mouillées. Donc ce n'est pas grave. Et sinon, je ne sais toujours pas ce que je fais comme. Efface pas. Non, c'est parce que j'ai. Comme gâteau pour chouchou. Est-ce que je fais un gâteau ou est-ce que je fais autre chose? Je ne sais toujours pas. Attention, vous allez voir ce vlog samedi. À tes souhaits. Ça va, madame, c'est pas décroché. Le jour de son anniversaire. Son cadeau, je l'ai bien reçu. Enfin, je vous avais dit dans la voiture, mais je l'ai reçu. Quand il était rentré, forcément. Et en plus, il était avec moi dans la cuisine en train de discuter. Mais j'aime bien parce qu'il est arrivé ici. Il a bien regardé la porte pour essayer de voir la taille du carton. Donc du coup, comme ça, après par déduction, il disait « Ça peut pas être ça, ça peut pas être ça, ça peut pas être ça. Ah, c'est peut-être ça, ah, c'est peut-être ça. » Comme ça, il a essayé de retirer déjà des idées cadeaux. Il peut pas attendre. Donc voilà. Voilà, voilà. Bon, j'espère qu'il sera content de son cadeau. Ça, vous verrez samedi. Et au niveau du gâteau, Christophe, il n'est pas trop gâteau, donc je ne sais pas non plus. Bon, de temps en temps, il aime bien, mais je veux dire, il n'est pas trop gâteau, donc... Je vous ai dit, c'est soit genre je fais un Trianon, parce que ça fait un petit moment, il aime bien aussi, mais bon. Ou soit j'ai une autre, peut-être une autre petite idée, mais... À voir, parce que... Ça coûte très cher aussi. Donc, je vais voir. Bon, je vais vous laisser pour ce vlog de blabla. Hein. Blabla du jeudi, parce que je ne vous ai pas filmé. Là-bas, j'ai encore le bordel, mais c'est... Tous mes papiers que j'ai sortis et que j'ai pas rangés parce que j'ai pas fini. Et voilà. Demain, j'ai encore des papiers à faire. J'ai beaucoup de ménage à faire. Donc demain, c'est vaisselle, litière, poubelle. Et là, faut que je sors mes poubelles.
Eh ben. Le poitrine qui fait la taille là. Quelle taille? Le petit là. Oui. Et. Déjà, princesse, elle est propre. C'est bien. Ah, j'ai plein de choses à faire donc. Et que je vois du coup pour l'anniversaire à Christophe. C'est de quoi j'ai toujours rêvé. D'avoir les. Tu sais, les trucs comme ça là. Combien? Les okay. Accessoires. Mmh. Et ben j'en ai. Oui. Et en fait, moi j'en veux, mais avec des oreilles de chat. Ça serait trop beau. Ah, un serre-tête avec des oreilles. Oreilles de chat. Approche-toi. Bon, allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour le prochain vlog.